à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de tout. Il n'y a pas de précision à dire. Voilà. Alors, moi, je vais être plus simple, comme ça, c'est mieux, je pense. Bon, bref, plus simple. Alors, tout à l'heure, j'étais voir mon camion, là, tu vois, on peut aller ensemble. Hein, on peut aller ensemble. Allez, on va voir le camion, je vais vous raconter des petites choses. Et je vais vous faire montrer, vous verrez que ce que je dis est vrai. Donc, pour certains qui font toujours des pouces à l'envers, des pouces bizarres là qui servent à rien, mais normalement, on n'est pas toujours d'accord, les gens sont jamais toujours d'accord. Et en même temps, je vais parler un peu de politique. Un peu de politique, qui n'est pas trop mon gros sujet, mais... que bien sûr que je signale. Donc je me manie un peu parce que j'ai pas envie de me faire tailler un short. Et voilà. Bref. Bon bref. Hop, je suis passé par là. Bon bref. Bon allez, on y va. On va. On va raconter un peu un petit truc, une petite chose. Donc, bien sûr, un peu de politique, un peu de tout. Et quelque chose qui est vraiment important, que beaucoup de gens n'est pas au courant. Et c'est marrant parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont au courant, qui les connaissent très bien, et que d'autres qui les connaissent quasiment que sur du nom, que sur du papier. Papier journal. Papier télévision, on va dire, pour foutre de leur gueule de la télévision. Donc, je ne suis pas... Hop là. On dit, je ne suis pas quelqu'un qui est pour un parti et d'un autre. Normalement, mon parti officiel, je suis en France, hein. Je ne vote pas, donc, mais j'ai une mentalité de la droite. Tout simplement. Bon, bref. C'est pas pour ça que je vais parler. Bon. Alors, on va venir avec ce sujet. Si je peux passer, bien sûr, c'est... Oui, on peut passer, mais il y a un candidat. Dans le coin. Donc, voilà. Voilà, oui, il y a un candidat. Il y a un camion. Bref. Hop. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, je vous dis... Tout simplement que on va commencer avec le camion. Le camion, vous voyez, il a été réparé, il a été grillé, il a été réparé, je crois. Donc, comme j'expliquais dans les précédentes vidéos, mon camion a eu la batterie qui a grillé et surtout le démarreur. Là, il y a deux petites choses. Et aussi, je vais parler aussi sur les amendes, qui est un peu injuste, malgré que tu as toujours... le macaron, mais bon, donc c'est simple, c'est un peu bizarre quand même. Bon, bref, donc tout simple, en gros, c'est un peu étrange parce que c'est pas logique. Il y a beaucoup de choses qui est pas logique du tout de faire de on a désolé, hein, c'est dans la parking. Bon, comme tu habites chez tout ça là, je ne fais pas beaucoup toujours avec Nono, hein, il faut dire. Bon, bref, on va au sujet. Donc, comme on dit, le macaron, en général, on nous dit toujours, même c'est ce qu'on a déjà toujours entendu dans les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends parler qu'on doit payer. Alors, c'est là vraiment la première fois. Franchement, c'est un abus politique, ça on le sait. C'est pour ça que moi, je n'aime pas la façon de monsieur Macron. Mais bon. Alors là, on va aller voir le camion, comme je vous ai dit. Et je vais vous faire montrer le macaron. Si vous ne croyez pas que la logique des choses est que le véhicule a le... A, comment dire, le macaron sur le véhicule. Et qu'on doit payer, qu'on doit faire une amende, il y a beaucoup de choses illogiques. En général,
On ne met pas une amende à une voiture, comme ça, neuve. Et donc, tout simple, dans la chose, en gros, c'est que je comprends qu'il y a des personnes qui prennent le macaron pour éviter justement de payer les parkings. Il y en a d'autres qui font comme ça. Mais il y en a d'autres, non, ils font pas comme ça, ils tournent vraiment comme ça. Et en plus, ils pleuvaient comme je sais pas quoi, moi. Donc, il y en a d'autres qui tournent comme ça, calme. Donc là, je suis à la gare de Mantes. Je repasse un peu sur le même point. Ah, et j'étais sur l'avenue Maréchal-Juin. Là, je passe côté gare. Et en plus, tout à l'heure, j'ai fait un jeu et de bol. Bol, bol, bol. Voilà. Bon, bref. Sur ce sujet du macaron, c'est que quelque chose qui me reste toujours incompréhensible. Et je resterai vraiment sans rien comprendre, parce que je ne comprendrai rien jusqu'à nos jours. Alors, moi j'appelle la police municipale de la volaille. La police municipale volaille. Même qui font la police municipale volaille, ils sont aussi pires que la police nationale. Mais bon. Donc, voilà. On continuera à marcher tranquillement. Donc c'est vrai, c'est pas tout le temps. Je fais de la vidéo extérieure, là j'en fais quelques-uns. J'essaye de me distraire un peu sur la vidéo extérieure un peu. Peut-être chez moi, même sur mon parking, je vais faire une petite vidéo là-bas aussi. Pour faire montrer que vraiment il y a des gens qui ne sont inaptes. Pardon. Qui sont inaptes, hein. À faire des choses très étranges sur le parking. Sur mon parking, normalement j'ai des petites choses qu'on doit bloquer. Pour pas qu'une voiture prend. Moi, en général, je ferme, je laisse, je laisse normal, ouvert, quoi. Pour pas que, comme ça, la voiture, elle peut rentrer sans aucun problème, sans... Tout à l'heure, je vais en parler, d'accord? Bref. Alors, on va d'abord voir le camion. Donc, on va voir le camion, tout simplement. Et vous faut montrer le macaron. Même qu'il y aura le macaron, pas de macaron, machin, toujours emmerdé. Voilà. Mais bon. Alors, pour une politique, pour aller sur la politique directe, pour la politique, c'est sur les Le Pen. Alors, il y a beaucoup de gens ne sont pas au courant. Monsieur Jean-Marie Le Pen avait sa façon de dire des choses à lui, quoi. C'est son droit de le dire comme il veut dire. Mais il plaisante. C'est ça les gens qui ne comprennent pas. C'est des mots totalement noirs. Que les gens n'ont pas compris. Pour eux, et pour monsieur, tout le monde était raciste. Bon, voilà. Alors, autre information, le majordome de monsieur Jean-Marie Le Pen à l'époque était même toujours, je pense, que ça n'a pas encore changé, mais bon, à un moment ou à l'autre, on vit tous. Hein. Et bien, c'est un noir. Le jardinier, c'est un noir, et de temps en temps, même des arabes, hein, la vérité. Donc, je vois pas le racisme où il est. Ils embauchent des gens de couleur, comme ils embauchent des couleurs des personnes d'autres pays. Bien sûr, c'est des personnes qui résident en France, qui embauchent même, pour votre information, pour ceux qui ne savent pas, il y a même des personnes qui votent le Front National. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc, c'est simple. Bon, un peu bizarre quand même. Alors, l'information intox qu'est nos médias télé, nous montre ce qu'il a envie de nous montrer. Donc, déjà, un truc, beaucoup de personnes ne font pas. Donc, bien sûr, c'est vrai qu'il y a une polémique de certains qui s'inscrivent dans le FN, qui sont racistes comme je ne sais pas quoi.
C'est que la Saint-Denis, le Front National, il faut dire, en gros, c'est ça. Bon, je marche doucement parce que j'ai un problème de nalague. Voilà, ça va mieux. Donc, c'est simple. Bon, c'est vraiment un peu inadmissible, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont comme ça et qui va salir un parti politique. Voilà, c'est un parti politique, on va pas dire que c'est le meilleur, non. C'est pas une question de ça, c'est ce que je veux dire. Ils savent comment manipuler. Ils savent comment manipuler les citoyens. Donc c'est très facile. Mais il y a d'autres Français qui ont la nationalité française et ils savent où il faut voter. Tout simplement. Bon alors, on va revenir sur le camion. On va revenir sur le boxeur, quoi, on va directement, c'est plus simple. Là, on arrive, on n'est pas loin. C'est plus simple. Hein. Et je vais vous faire montrer quel macaron. Alors le véhicule. Voilà. Et il est où mon petit macaron? Il est là. C'est vrai que c'est pas facile à voir, mais bon. Donc j'ai pas les clés. Alors, hop. Voilà, mon camion est là, tout. Donc il est là. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour vous dire en gros que le camion, il est resté. Il est rangé à cette place-là, pas loin de chronopièce. Hop. Et chronopièce, il est par là. Hop, je vous l'approche. Il n'y a pas besoin de me déplacer. Voilà. Alors, moi je fais une petite pub pour eux parce que c'est eux qui réparent mon véhicule. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà la réalité. Donc, tout simple. Maintenant, hop, voilà, on retourne vers moi, et voilà, donc voilà la chose. Donc bien sûr, je coupe pas, je fais pas de coupage, je fais pas de ceci, je fais pas de cela, j'ai pas envie de couper, tout simplement, j'aime bien faire un peu plus long. Donc, alors, bien sûr, moi je tourne en vidéo 4K, alors, petite information, je me pose des questions si c'est vraiment du 4K, mon caméscope. Parce que mon Ornimac n'est pas un 4K, c'est un HD. Peut-être au-dessus, je sais pas. Donc, il fait, c'est un 4K. C'est un petit 4K et le caméscope n'est pas, en fin de compte, c'est pas vraiment du 4K quoi. Je dirais plutôt du ultra HD. Je dirais plutôt ça. On va dire. Donc sinon, c'est pour ça que le Mac il sait le lire, tout simplement. Et je peux vous dire, c'est le seul appareil qui sait lire. À part bien sûr mon lecteur DVD qui sait lire aussi. Parce que pas le lecteur DVD. Le Blu-ray, pardon, ça va être un peu plus direct. Lui, c'est lire. Pourquoi? Parce que c'est un ultra HD. Tout simplement. Bah, disons, c'est un HD, mais bon, la technologie est vraiment toujours là. Elle est très pointue. Ça, bon, faut dire c'est du Samsung, mais bon. Faut dire que les gens ne savent pas tout. Mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me soucie tout. Non, je teste. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que la bande magnétique de nos jours, oh, ça ne sert plus à rien. Par contre, cassette audio, je ne sais pas, c'est quelque chose que. C'est pas une question nostalgique, mais c'est une question que j'aime beaucoup. Tout simple. Je préfère plus la cassette audio. Je préfère plus la cassette audio. Et le vinyle. Et bien sûr, le CD aussi, pour. Bien sûr, pour avoir un peu plus de dynamique sonore, hein, comme on dit.
Donc voilà, je vous ai fait montrer pour mon véhicule. L'appartement, vous parlez un peu. Alors, vous pouvez mettre des commentaires. Ah, les commentaires rayés, par contre, c'est rayé de la carte, là, c'est sûr. Bon, ouais, je vais pas parler de ça, je vais parler tout simplement. Il faut que vous compreniez que tout simplement, bah, il faut comprendre, il faut se dire la vérité, que la vérité est bien là. La vérité est bien. Oh, tiens. Quelque chose bizarre, il n'y a pas de macaron, il n'y a pas d'amande. Et pas mal celle-là, regardez, pas de macaron, pas d'amande. Vous voyez, pas de macaron. Ah bah si, le macaron il est mal placé. Il est très mal placé, le macaron. Mais voilà, c'est pas grave. Hop, voilà. Vous voyez, donc mon truc c'est ça. C'est vrai que j'ai pas de caméra, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. C'est la technologie, je m'en fous. Ce que j'aime bien, c'est un caméscope, parce que je peux faire des super trucs avec. Voilà, tout simplement. Je peux faire des super trucs avec, c'est ce que j'aime bien. Voilà, tout simplement, voilà ce que je voulais dire. Hein. Hop, j'ai reculé la caméra parce que... Oh, de nouveau, il a fait trop loin. Désolé, j'ai fait trop loin. Je me suis rapproché un peu trop les autres. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, à la prochaine vidéo, et likez plutôt que de juste liker comme vous dites. Hein. Les petits voyous bizarres là, du web. J'aime bien vous critiquer parce que vous adorez critiquer les gens et en fin de compte, vous ne savez quasiment rien du tout de la réalité. Comme par exemple, j'ai parlé d'hier, on va mentir, oui, j'avais parlé de la télé-hologramme et vous avez considéré que c'était faux ce que je disais. En gros, c'est comme si c'était faux, c'est du pipeau quoi. La réalité, non. Non, je dis pas de conneries du tout. Je vous dis, je suis une autre chaîne. Donc, à chaque fois qu'on a des bons renseignements, on est des nuls quand même. Voilà, vous êtes mis au courant de la 8K. Alors, dites que vous êtes intéressé à la technologie, vous êtes rien du tout. Mais bon, bref, voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vous remercie. Prochaine vidéo, on fera une petite vidéo tout à l'heure. Je parlerai sur autre chose. Non, plus simple. On parlera sur autre chose et bon, merci, mais je serai au parking. Allez, bye bye, à plus.